que je regardais ce que mon chien est en train de faire. Je renouveau ici. Oh, come on, c'est toujours une histoire de Q pour voir si son enfant est intelligent, quoi. Et alors, laisse-le vivre. Ah, ça, c'est... ça... Pff. Je sais, parce que je l'ai vis avec mon fils. Alors, laisse l'enfant vivre en paix, s'il te plaît. Apparemment, je peux pas aller là-bas. Ah, est-ce que je peux enfin entrer dans le numéro 9? Yeah! Qui se cache ici? Oh, j'aime pas ça, en fait. Bon. Research theme. The test of the therapy increasing the intelligence among children. Hein? The subject of the research, Theodore Dowell. The first attempts to increase IQ, I started using suggestion and manipulation method during REM sleep. The subject handled the experiment very well. D'accord, il faisait des expériences sur son fils pour augmenter son intelligence. C'est... Oh, gosh. Ah, c'est glauque. C'est glauque. Oh, le pauvre gamin, quoi. Ah, je peux toujours pas l'ouvrir. Oh, il était tout petit en plus, c'était un bébé. Hein. Ok. Oupsie. Bah, je suis un peu perdu là, je sais pas ce que je... Ah, ah son, ça c'est vrai ouvert. Ah ça va, ça pas ouvert. Ah, me dis pas que... Je vais encore aller à la mort. Je veux pas aller à la morgue. M'envoie pas à la morgue, hein. Ah, si, il m'envoie à la morgue. Oh, come on. Oh. Je cours pas. Ah, la lampe est cassée. Ouh. Ah, yo, 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 yo. Va te faire miter, toi. Ah! J'ai un puzzle! Non! Non! C'est quoi ça? Y'a rien. Oh. Pourquoi est-ce que c'est à chaque fois que je vais dans une pièce et je m'attends pas, j'ai... Et quoi? Non, ok. Bon, apparemment, on doit vite réparer cette lampe avant que je meure! Je ferme pas la porte, je m'en fous, monte. Oh gosh. Oh, c'est comique parce que les gens dans une chambre, quand je m'étends pas, je l'ai, et quand j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose, bah boum. Y'a rien. Bon, je pense que ça c'est pour ouvrir le petit coffre qui se trouvait dans la salle qui était ici, si mes souvenirs sont bons. Yes! Haha! On croit quoi? Il est minouche. Ok! Ça va tout à l'enfer entre mon plan. Tout...
Ouais, ok, d'accord. Ouais, en fait, il voulait juste rendre son enfant plus intelligent que les autres. Mais le problème est, c'est que tout a foiré. Sa femme l'a interdit de continuer ses recherches, mais c'est logique, c'est son propre enfant, quoi. Attends. Moi aussi, hein, on fait ça sur mon fils, moi. Ah. Y'a rien, ok. Pardon? Oh! Je sais pas ce que je suis en train de faire est normal, hein. C'est logique? Ah, il est beau quand même le jeu! L'autre ici! Ah, je dois casser le truc, le cycle en fait. Finalement, le jeu, il est beau en couleur. Mais c'est ça aussi, j'ai jamais compris pourquoi les jeux d'horreur doivent toujours être sombres. Moi, j'en ai joué un qui est sur ma chaîne en plus, qui était coloré, bah, pas trop coloré, un peu en sapia comme ça, mais il y a des passages qui m'ont quand même bien eu, quoi. Hein. Donc, un petit bateau, oh, quand même, c'est joli, quoi. C'est joli, je suis désolée. Toujours obligé d'être noir et glauque. Pas pourquoi les gens croient ça. Ah bah voilà. Ah ah. Passez blonde la blonde. Non. Quoi c'est tout? Non. Bon qu'est-ce qui va me faire peur en pleine journée? Allez. Je vous atteins. Non? Really? Tu vois, ça c'était parfait parce que ça c'était un moment parfait pour voir peur, quoi. Tu vois, avoir Jason qui te suit derrière là, ça aurait été génial. Ça aurait été parfait avec Jason là. Bah oui, c'est. Oh! C'était pas un cerf. Dis-moi que c'est un cerf. Merde. Oh. Ça aurait été parfait. Pourquoi ils l'ont pas fait? Ouais, un pont. Je parie qu'on doit passer là au-dessus. Ou bien ça va me tomber sur la tête. C'est pas juste. Je m'attendais à un truc, quoi. Attends. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça, quoi. Oh. Il y a un bateau. Oh. Hé hey. J'ai pas compris là. J'ai rien fait, pourquoi j'ai fait ça? Oh, il y avait un pique-nique. Oh, ils ont fait un pique-nique. Ouais, le père était plus content. Le fils était plus content, quoi. Entre autres, il y avait plus le fils n'avait plus d'intérêt pour le père et le père n'avait plus d'intérêt pour le fils seulement pour ces trucs là. Et la mère a essayé de sauver le mariage mais ça n'a pas fonctionné quoi. Oh les corbeaux. Bon ben, on va les tuer à l'eau. Ah c'est moi en plus. Oh il y a carrément des poissons. Il y a un poisson! Regarde! Tu vois, c'est des petits détails comme ça dans les jeux qui rendent des petits jeux géniaux, quoi. Regardez-moi ça, quoi. Oh! Et là, que je vais voir un grand requin, là, qui va me sauter. Non. Ok, là, par contre, j'ai peur. En plus, j'ai horreur de l'eau quand j'ai pas de pied, en plus.
Oh, qu'est-ce qui va me sortir? Oh, de l'eau pour me bouffer, rien? Rien? Oh. D'accord, on est revenu ici? Oh. Ouais, en fait, le père faisait des expériences. Ouais, ça, c'était le fameux truc dans le jardin. Sur son fils pour augmenter son intelligence. En fait, au début du jeu, je me suis complètement gouré, en fait. On était contents pendant un temps. Mes rêves, mes romances. On se voyait souvent dans le jardin. Bah, sans doute ça c'est avec sa femme quand il faisait des petits pique-niques en famille comme ça. Ouais. Son fils a, apparemment répond bien à ses expériences. Bizarre, bizarre tout ça, c'est bizarre. Oh! Tu veux me faire juger ou quoi? Ah! Ah, d'accord. Jamais compris pourquoi les gens signent par leur prénom si c'est pour ton enfant, quoi. Quand je dois aller là-dedans? Non? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Yo, je. Ah, il y a une porte là. Et c'est le père tout ce temps. La folie ici, la folie ici. Ah bah génial, je me trouve en cellule. Ah, tu vois, je me trouve en cellule. Je peux t'arrêter la chasse, non? Je peux rien faire. Oh, il y a une empreinte de sang. Il n'était pas là il y a 30 secondes, je crois. Il y a du sang partout. Il y a du sang partout! Ben, je suppose qu'il y a quelque chose là qui va me faire en sursauter. Attends, j'arrive pas à comprendre. C'est Theodore ou Teddy? Ou est-ce qu'ils ont eu deux enfants? Je sais pas. J'arrive pas à comprendre, quoi. Parce que... Ouais, bon. Non, ok. Je suis dans un commissariat de police, y'a personne? Ah bah voilà la... Ah! So maybe you would tell us about your authorial therapy. What do you think, Mr. Dow? Can you hear me? It's better now, isn't it? So, can we continue? Great. Did you know that Susan Dow was pregnant? Elle était enceinte en plus. Elle était enceinte. Or, elle était enceinte. D'accord. Ah d'accord, ils ont caché la clé quelque part. Ouais. Blague entre flics, quoi. Et je pense que j'ai besoin de la clé. Là, ok. Bon, on va essayer de trouver la clé. Non, ça n'a pas l'air d'être par là. Bah, même si c'est écrit où était la clé, mais j'ai envie d'aussi en même temps explorer, parce que sinon c'est pas fun. Ouh. Nous sommes dans des lieux sûrs. Oh, j'adore la plante verte. Comment est-ce que tu survis encore?
Oh, j'ai pas la combinaison. Come on. Now. Yeah. Non. Parce que j'ai compris, il est dans un état vraiment bizarre et que apparemment il y avait un témoin. Comment est-ce que les plantes survivent? Vous me croirez si j'ai dit que j'arrive à faire survivre des orchidées, mais pas les. Oh, come on! Oh, j'aime pas ça. Hop. 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 Oh, j'ai horreur de ces trucs là. Ah bah voilà, nous avons la clé. Mais il y avait pas, j'ai pas trouvé un autre truc avec un genre de code. Ou je pense à autre chose là. Je dois penser à autre chose. Il est où là? Ici? Ouais, il était ici. Ah ah! Ok, ça me fait une belle jambe. Ah, téléphone. Ah, d'accord. C'est juste pour ça, quoi. Listen, Bowman, give me some creeps, doctor. I won't manage alone. D'accord. Bon. Je suis où, là? Ah, ça, je connais pas. Bon, il y a quelque chose dans le tiroir. Oh, come on, really? T'es obligé d'ouvrir les portes automatiquement? Oh. Ouh, le médecin était pas gentil. Il a tué un patient avec ses méthodes bizarroïdes. Je comprends toujours pourquoi le complot. Oh, the hell? Pourquoi ils ont tous des masques? Est-ce qu'il aurait poussé Edward à la folie? About the relation that was between you and Mrs. Susan Dow, Dr. Stephen Dow's wife, that tried to cure you? I would like to enclose documents from Susan Dow's autopsy to the evidence. Basing on these, Your Honor, as well as the jury can get to know that the victim was pregnant with the defendant. Est-ce que le médecin n'a pas rendu Edward complètement zinzin qu'il a forcé à tuer toute la famille du médecin? D'accord. Est-ce que je peux lire les notes? Non. Ah. D'accord. Oh, je crois bien que le médecin l'a rendu. Oh! Ah, c'est moi là! I would like to enclose to the evidence the description of one therapy conducted by the defendant, which, as we can read, also finished with a failure. The girl, with similar illness like Edward, who under the influence of the therapy made suicide. And did the defendant realize that his wife was pregnant, not with him, but with Edward? Attends, elle était enceinte d'Edward? Non. Elle était enceinte avec Edward? Téléphone. Ah. Il y a trop d'infos en fait. La...
si j'ai bien compris, il était enceinte d'Edward. Quand même pas, elle était enceinte d'Edward. Non. Ah, ça c'est les dessins qu'on a ramassés plus longtemps. Ah, j'ai pas eu celui-là, je crois. Ben oui, celui qui se trouve dans une dans la passe de ses patients. D'accord. T'es ici? Ah d'accord, il disparaît. T'as des trucs qui disparaissent au moment du jeu, quoi. D'accord, ok, bon. J'adore le fait que l'ombre est pixelisée, quoi. Ah, mais je crois que c'est mes graphismes qui fait ça. Ma mère et enfant de 7 ans tués. 30. Ah bah oui, c'était le père. D'accord, on doit aller dans l'autre pièce. Ah ben, ce sera le père qui l'a fait. Ah, ici peut-être. Cherche. Non, oh, c'est pas ici. Ouais, mais bon. Il y a peut-être quelque chose à ramasser. Un coin, coin. Il n'y a plus de coin, coin. Non. Je dois être plus confortable là-dedans, tu fous de moi, quoi. Started to live on memories and projections that were so beautiful in my head, so perfect. Stephen was in them like years before, like when we moved into our new house and we planned to make a big garden only for us. These memories made me stronger, helped me to survive and wait for tomorrow with hope. First time, I thought that maybe I'm only dreaming, or the projections about him became ridiculously strong. He came to me like before. Smiling, happy, with sparkles in his eyes. Similar situations repeated in the next weeks, and I, instead of looking for their source, was waiting till my loving Stephen came back, just for a while, to feel like before, like years ago. At the beginning of our relationship, Stephen often told me about interesting things from the psychology ward. During his studies, he met with a case of a patient with multiple personalities. I remember well this case because it seemed to be very exciting. So many different personalities in one body that differ in IQ, beliefs, talents, and even visual acuity. I hid my husband's illness to meet with Eddie, his second personality. To feel happy, just for a while, to fulfill my dreams. During our romance, we often met in the garden. Today, I again talked with Eddie. Condition. Stephen's therapy started to even scare him, he says. He must make terrible things to be cured and finally take a breath. As a last resort, I will send this recording to Abraham. D'accord, ok, bon. Après tout ça, ce qu'il y a eu, c'est qu'elle commençait tout doucement à plus le jour même plus voir des trucs pour son mari. Elle rêvait toujours, elle pensait toujours que ça allait mieux. Elle restait dans ses rêves pour et ses envies pour être avec son mari, tout ça. Et finalement, elle est tombée dans les bras d'Eddie. Et Eddie commençait à avoir peur de les expériences du docteur. Et finalement, bah oui, elle est enceinte d'Eddie en plus. Oh. Voilà le résumé de tout son blablatage, quoi, en fait. Ah, come on, really? Et pour
Et pour moi, en réalité, le mari a tué sa femme et son enfant parce qu'elle voulait être avec Eddie. J'aime bien les transitions, ça c'est pas mal quoi. Bah, je crois que c'est ça, je suis pas sûre, parce qu'il y a des trucs que je comprends pas en fait. Il y a deux enfants. Pardon. Really? Je me barre. Je me barre. Ah, come on. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre. Hein. Il y a des trucs que je comprends pas encore. Oh non, me dis pas que c'est son fils. Oh, c'est horrible. Mais c'est connu, un psy doit aller voir un psy. Hein. Ah, c'est quand même beau. Hein. Ouais, voilà. Quoi, je dois le faire aussi. Bah, j'ai pas le choix. Bah, voilà, je vais avoir un copyright à la fin, je crois. Merci, YouTube! Ouais, en fait, ça n'est descente en enfer, en fait. C'est ça, en fait. Bah oui, c'était ça, ouais. C'est vraiment ça, quoi. C'est un descente en enfer. Qui est franchement pas mal. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Le début m'a bien eu. Mais moi j'ai un gros problème avec les jeux d'horreur de nos jours, c'est que j'ai le même truc avec Outlast. Au début c'est génial, on te met dedans à 100% et bon, en plein milieu ça commence à changer et tout ça. Ok, dans ce cas-ci je peux comprendre que ça a commencé à changer pour la tout simple raison, c'est que c'est vraiment les descentes en enfer d'un mari à un papa. Ah, ok, après ce que j'ai compris, lui-même a tué ce qu'il aime. Mais il m'a eu au début. Et voilà quoi. Mais sinon, franchement, ça vaut la peine. Si vous le retrouvez, moi je l'ai eu moi je l'ai sur Steam, je crois que je l'ai eu pas cher pendant les soldes il y a quelques temps. Franchement, pas mal. Mais malheureusement, il est 100% en anglais. Continuez quoi, il y a un truc après ou quoi? Si je fais continue, c'est quoi? Ça donne quoi ça? Rien. Ok. Bon, sur ce, je vous aime énormément. Bisous, bisous.